192, 200, 198, 36%, 29%. Ah ouais. Ils ont décidé de tous tanker en fait. Même le 192, putain, mais oh, attends. 192 avec ses résistances, c'est quoi? Casque drague double Xyz, simple? On va regarder. Rabia 2. C'est tellement galère maintenant de regarder le stuff d'un mec. Bon, y'a quoi en face? À part ça. Les keflip, il est feu, non? Ils ont tellement de résine. J'ai enfin chopé le profil du Zobal en face. J'ai mis une demi-heure. Non, c'est plus pratique ça. Hein. Alors, c'est quoi? C'est masque? Non, c'est Rabia. C'est un joueur espagnol et non, il a caché son stuff. Ça dégoûte. Hop, canal combat. De quel élément est mon Sadi? C'est un Sadi Terre. Sadi Terre? Sadi Terre, le chat. Rastaman. Je transpo? Tu peux transpo Looper, ouais. Looper, ça peut le faire. Pourquoi il a autant de shield? Ah, c'est le plastron. Ok. Ok. Je peux pas aller là. Dommage. Le stage se poursuit. Ça sonne pas mal quand même. 1400 là. C'est pas trop mal. Ok, donc lui il cope le Sadi, il a raison.
up ton mage. Pourquoi quand j'ai entré le code en Kama, j'ai eu un jeton 3 jours? J'ai eu quoi moi? Ah, je l'ai pas rentré ici. Alors c'est quoi, c'est Ankama 20 jours? Non, Ankama 20 ans. Je vois même pas moi. Idem MDR. Ah, c'est bizarre. Je regarderai après sur le jeu. Mais normalement, c'est une semaine. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des codes, une semaine. Le mieux qu'ils aient fait, c'est un mois, non? Un code un mois. Ça rajoute directement labo, il n'y a pas de jetons. Il n'y a pas de jetons? Ah merde, moi j'aime bien quand c'est les jetons, tu peux les utiliser quand tu veux. Bon, c'est au Sally de jouer. Et il tank en face, hein, en vrai. Il tank plus que nous. C'est énorme le manque à gagner d'un code un mois quand il pense. Donc c'est plus des jetons. Trop deg. J'adore avoir plein de jetons sur mon compte. Bon, le Sadi, 2800, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui met un coup des types, le chat? Ça dégoûte, hein, en vrai. Ça dégoûte de ouf. Par contre, je pourrais pas pesanteur l'Upper Mage. Oui. Ok, quiche. Mais il zérote pas en face. Attendez, il a pris d'érosion ou pas lui? Il n'a pas pris d'érosion, donc autant soigner. Hein. Ah oui, il y a un soignable, pardon. Ouf, on avait fait une grosse bêtise. On va bloquer les cas ici. Ouais, pas ouf les gilles là. J'aurais dû la mettre ici. Mais il tanque tellement, super mage. Il a 50% reste maintenant avec son bouclier. Non mais c'est trop. Ça tanque beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? Est-ce qu'on doit encore nerfer l'Upper Mage? Mais ils partent tous sur des modes tank mêlés là. Bon, lui, ceci dit, il est distance. Air distance. Bon, ça protège pas le Sadi apparemment. Le Sadi meurt, hein, je pense. Le Zobal, est-ce qu'il peut faire 1400 HP? Sachant que le Sadi a aussi son bouclier FK. Hein. Oui. Oui, Rabia. Ok. Bon, il n'y a pas fait grand chose. En même temps, pour tanker autant à son level,
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stats. Broussaille empoisonnée, what the fuck le chat? What? What? Non mais le Sadi, mais les... Waouh. Non, calme. Tranquille. C'est rien. C'est juste que ça surprend, oui, évidemment. Parce que moi, j'attends les dégâts, en fait. Ça dit en songe, c'est nul. Tu penses quoi de la choucroute? Vous allez me quote pour des questions de merde comme ça longtemps? Très bien, choucroute. Alpha de ouf. C'est quoi broussaille empoisonnée? Bah, ça met un poison. Ouais. Ouais, Kishim. Ça va en de ronce, ça met un poison. J'ai rien à faire pour 2 PA, en vrai, c'est trop triste. Et le soin, le chat, hein, 1700, free, quoi. Free de ouf. Stagiaire, ouais, full stagiaire. Ça dépend où il va, les gars, Lupin. À mon avis, les cas, ça peut vite se torcher. 3600 HP, il n'y a pas énormément de résistance. Ok, les petites furies. Et la fugue. Donc, 2200 HP sur les cas. Attends, le Carnavalo qui fait un 250 sur un 0%. Ouais, le Zobal, c'est pas un Rox de ouf, j'ai l'impression. Et il a mis sur qui sa broussaille empoisonnée? Ouais, c'est bien sur le Zobal, mais je vois pas les dégâts. Attends, il s'appelle comment? C'est Rabia. Moins 440. Ouais, oh, ça va encore, hein, 440 de poison. Le petit debuff. Ok, Rastaman. Ouais. On regardera les stuff après, en vrai. Hein. On regardera les stuff parce que ça dit en mode 40% all. C'est bizarre. Je possède des thunes. Je suis qui possède des thunes? 1 euro. Yamete Kudasai. Donc ça, c'est posséder des thunes. Ok. Merci beaucoup. Oh, putain, mais ça tank. La perception à plus 800, là. Bon ratio. Ouais. Bah, j'ai envie de Rox. En même temps, je suis un peu bloqué. C'est chiant. Bon, on va escurcir ici.
En vrai, je vais full rock ce chat. Ça me fatigue. On attaque les ovales. 2300 HP, lui, il y a un... Ouais, non, il est pas trop gêné. Moins un PA. 2800, enfin 2900 sur le Sadi. Mais il y a encore son rempart, le Sadi. Hein. Plus l'harmonie. C'est tranquille. Là, sur un 36%, j'ai lâché un 1500, ça va. Hein. Salut Joe. Il voulait pas continuer sur les cas? Bon, le premier match qu'on a fait a duré 20 minutes. Là, on est déjà sur du 20 minutes, je pense. Hein. Ah, ça s'éternise de ouf. Je sais pas à quoi c'est dû, sérieux. Sans rien, je sais pas. Après, tout le monde a des restes de ouf, là. Hein. Sauf moi. Et mon sacri sonne quoi? Pareil, le sacri a pas beaucoup de récence. Après, ça reste un sacri. Mais en face, ils ont tous du 30 à 40% raise. Mon Sadi, qui est le focus, je vous en parle pas. Je peux très vite tomber, hein. Je suis content qu'il me focus pas. Non, mais fais un truc. Voilà, faut taper, j'en peux plus. Ok, plus de chatons, c'est cool. Il sert à quoi cet arbre, du coup? C'est juste pour poser un arbre? Oui, Rasta. Ok, la sacrifier, oui. Et un poison para. Mais il fallait peut-être le faire avant de lancer la ronce aggro, du coup. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Allez. Pourquoi pas. Cool, il me gêne pas. Moi, la folle, je peux peut-être l'escurse plus tard. C'est à l'EK de jouer. Moi, à la place de l'EK, je me focus, en fait. À la place de l'EK, je tape le FK. Non, il m'aide pas du tout avec sa folle. Ah, la percept, putain. Ah bah si, du coup, je sais à quoi il sert l'arbre. C'est pour que le FK, l'EK se soigne trop. Sinon, le combat va trop vite, c'est ça? Ok. J'avais pas compris, vous voyez? La naïveté. Et quitte le live, par contre. Ça se voit au bout d'un moment que t'es sur le live. Putain, j'en peux plus de ce combat, mais j'en peux plus. Ah non. Il passe sur moi! Ouais. Ok, petit coup de montage à 600. Putain, le multifocus, quoi, c'est incroyable. Personne peut roder là? Non. Pas possible. Ouais, du coup on déloque un petit peu. L'avantage c'est que le Zobal chez eux fait que dalle. Mais vraiment, le Zobal, c'est chaud. À la fois pour lui et pour ses alliés, il fait que donner des shields et c'est tout. À aucun moment il va se mettre à taper. Merde, putain, je pourrais pas être type l'épée au Vouras.
Je pourrais pas être type l'épée, le chat. Ok, il a clean la folle. Voilà. L'œuvre d'une vie. Oui, oui. Rasta, allez. Est-ce que l'Eka, il est encore infecté? Ah, l'Eka n'est plus infecté. On invoque la gonflable. Du coup, on va partir une énième fois sur un multifocus qui n'aboutira pas. L'Eka joue. L'Eka, je pense, va me torcher. Hein. Oh, putain, Rasta, mais fais un truc. Je sais pas, tape. Enfin, essaye. T'as raison, ça manquait d'entité pour l'Eka et ça percepte. Broussaille empoisonnée, j'en peux plus, le chat ma balle. Un petit peu de soin. 1600 HP sur les cas. La sacrifiée qui grossit. La bloqueuse qui est déjà grosse. de soins, à quand le nerf? Tac, tac, attends deux secondes. 5, 7, je peux faire ça. Ça et ça. Ah, 3500 HP sur Looper. L'égide va vite tomber, mais bon, il fallait quand même la mettre. Il y a tellement d'entités sur le terrain. Il est 20h, normalement, on a la séance de psy avec... avec Bouga. Deux lignes de vie. Ça va. Heureusement, la série, il fait quand même des bons dégâts. Hein. Clé du palais du roi Nidas. Merci à ceux qui vont se faire PL. Je deviens riche. 170 HP sur les cas. Là, le The Ball, c'est ding, 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 ding. Plastron, plastron, ding, ding, ding. Alerte, alerte. Un de mes alliés est en danger. C'est ça depuis le début du match. Je pense qu'avec mon équipe, en vrai, j'ai fait un coup. Tout à l'heure à 1004, un coup à 1007, un coup à 1003. On est au moins sur du 4000 de soins depuis le début. Hein. Les cas, c'est soigné autant avec ses petites percettes, mais c'est autre chose. Oui, il reste un man. Rasta mal, 2000 de vie Rasta, 2000 de vie, les cafés qui est full shield maintenant, tu peux peut-être infecter les cas, non? Au moins le prochain, on est sûr de le tuer. Ça dit des buffs soient pas bêtes, non mais il est pas infecté le problème, c'est que les cas est pas infecté. Donc, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il repose un arbre et il maîtrise, putain mais le... Mais les tours à vide, il se fait pas retraper en fait. Hein. Il faut le savoir. Ça, ces tours à vide, c'est vraiment juste parce qu'il kiffe faire ça. Terrible. Poison de proximité, debuff. Bah, il utilise le para. Mmh. Calme. Calme. C'est normal. Voilà. Petit
partie chaton guérissard, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Pas con de rester là pour me gêner. Pas con, pas con. Et j'en peux plus, hein. Je peux même pas soigner le Sadi. J'ai une bonne zone. Je vais te la laisser, la zone. Et je vais quand même clean ça. Et taper le Zobal, allez. En vrai, les Zobal et Trans, on a peut-être moyen de faire un truc, mais il tank à mort. HP sur le Sadi. Ok, les bonnes des eaux. Putain, mais le Sadi, mais il fait rien ce con. En fait, on le maintient en vie, c'est surtout parce que c'est le focus, vous voyez. C'est le focus adverse, donc on maintient en vie, c'est des HP qu'on perd pas. Surtout qu'il a quand même pas mal de résistance. Mais il ne fait rien, il ne fait rien. Je pense que depuis le début du match, il a peut-être fait du moins 2000. Mais il est nul. Putain, mais pourquoi ils sont tous nuls comme ça? Ils prennent jamais de pause. On peut se sub en touffe. Ouais, c'est 1,5 million. C'est un peu cher. Je suis d'accord. Ouais, ok, ok, Rasta. Un tréant, putain, enfin, ça fait 3 tours! 3 tours que tu peux le mettre, ton tréant à la con! Infect! Fais des trucs! Ok, alors, infecté, infecté, infecté. Looper, il y a déjà son poison ou ce sera prochain? Ce sera prochain. Gonflable, soin. On avance, on avance. Je pense que là, on progresse. Par contre, je vais devoir soigner le Sadi parce qu'il est encore une fois bien dans la merde. Putain, mais lui aussi. Ouais, il nous aide pas, quoi. C'est ça. Allez, 2900 HP sur le Sadi. Mais en vrai, s'ils avaient érodé depuis le début, on n'en serait pas là. Hein. Bon, l'EK se met à éroder un petit peu, mais l'EK, tous ces PA, c'est pour se soigner, quoi. Donc voilà. Quoi. Mais l'Upper Mage, là, c'est un bon focus, je pense. Il poursuit sur l'EK, pourquoi pas? Ouais, il y a une zone en plus. Le sacré, il fait toujours les mêmes actions, c'est très marrant. Des os, des os. Fougue sur le Sadi, 1500 HP, je peux plus le soigner.
Mais là, le Sadi va faire un vrai tour en vrai. Tout le monde est infecté, c'est bon. Tu mets ton poison sur Looper, tu tapes les cas en tapant Looper. En plus, il peut mettre une force de la nature. Regardez le nombre d'armes qu'il a. Ouais, il y a une vraie force de la nature là. Ok, ok, putain, on commence enfin à jouer. Harmonie. Mets-toi hors ligne de vue au moins. Bah, c'est pas vraiment ce que j'appelle hors ligne de vue. Sam 200, je reviens sur le jeu avec 50 millions, j'ai tout vendu. Je peux faire un bon stuff. 1v1, 3v3, 50 millions au niveau 200, ouais, ouais, je pense. Je pense. Bon, est-ce qu'il va bluffer? Non, il bluffe pas. Ben, attendez, moi je vais lui mettre la totale là, Aleka. Putain, enfin on va pouvoir faire un truc. Fuite stratégique, là c'était le moment. C'était le moment de tout mettre. 800 HP, c'est bon. C'est le seul tour où les cas c'est pas safe, bah c'est bon, il faut y aller en fait. Le code sert à quoi? C'est dans le titre, Suki. J'ai fait un colis contre un Sadi l'autre jour, j'ai mis un screen sur Discord, 1 heure le combat, ouais, normal. Normal, normal. Allez, Clémar, la petite cope de l'arbre, hein, je pense. On cope l'arbre. Fais pas de bêtises. Clémar? L'arbre? Ou l'épée, c'est une épée, pardon. Ah non, l'épée, elle est fougue. Attends, c'est quoi? Il peut pas l'atteindre, là? Oh, merde. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Mais attendez, c'était... Ah mais non, mais il pouvait cop l'épée, non c'est, l'épée, elle est pas... c'est le Sadi qui est harmonie enracinée. Il y a peut-être confondu, du coup... Okay. Plus de cop. Ah, il y a peut-être... Il y a plus la cop, ok. Ok, ok, ok. Parce que là, le Zobal va un petit peu shielder. Le Sadi fait les clean quand même, hein. Le Zobal est encore infecté, les Kaflip... A encore son infection aussi, je pense. Ouais, t'es infecté par la folle. Ouais, non, mais le Sadi fait le kill, le chat. C'est bon, c'est bon. Arrêtez de paniquer. Par contre, je suis deg, j'ai mis la trêve. Ça sert à quoi la trêve? Allez, tue-le, s'il te plaît. Tue-le, tue-le, tue-le. Broussaille, putain de merde! Mais retire ce sort à la con! Broussaille empoisonné! Mais ça fait pas de dégâts directs! Comment tu veux profiter de l'état infecté avec des broussailles empoisonnées? Ah non, ok, la broussaille empoisonnée s'applique aussi sur les entités infectées. Ah, si c'est ça, c'est cool. Parce que je vois que les cas, il a quand même une broussaille empoisonnée sur la tronche. Pourquoi pas, pourquoi pas? Et il m'a fait flipper, là. Alors, je peux aller là, je peux... Transpo, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon, on a tué leurs deux joueurs. Je pense que là, The Ball, ça va être tranquille.
Ouf! Waouh! Rompiche, rompiche de ouf. J'ai fait encore une fois deux combats, le chat. Il est quelle heure? 35 minutes! Il est 20h passé, quelle heure là? 20h15. J'ai fait que deux colis. La raison, il y a un Sadi dedans. Ouais, mais c'est les combats tactiques, ta gueule! Il n'y a rien de tactique! Quand le combat dure 35 minutes, c'est juste une rotation de cooldown de merde. Et à chaque fois, tu croises les doigts en espérant que tes mates fassent pas de la merde. Putain, ça m'amuse pas. 10 minutes, c'est bon. 15 minutes, ok. 20 minutes, c'est non. 20 minutes, ça commence à être casse-couille. Je pense qu'on commence à craquer au bout de la 16e minute, hein, nous, ici. 16 minutes, le chat commence à vriller.